ajouter les trois équipements qui étaient demandés, à savoir une LED, un cerveau et une carte SBC. Après avoir ajouté ces trois équipements et les avoir interconnectés avec un câble IoT custom, on entre dans la carte SBC. Une fois dans la carte, on prend le menu Programming. Dans le menu Programming, on sélectionne le main, le code source main Python. Et dans ce code source, on ajoute deux lignes. La ligne 9, cette ligne, et la ligne 12, cette ligne. Ces deux lignes ont pour but de permettre au cerveau de se déplacer au même moment que la LED clignote. Parce que cette ligne et cette ligne, c'est pour clignotement de la LED. Donc, après avoir ajouté ces deux lignes, si on clique sur Run, et lorsque c'est fait, on remarque que la LED clignote effectivement et que le cerveau se déplace au même moment que la LED clignote.